Monsieur Florent Noka, bonjour. Bonjour Ndeko, journaliste. Merci beaucoup, Président Noka et Andela BRC News. Toujours à pleine résidence. Tu es dans la République du Congo. Et puis, la Siki-Siki. Je ne peux pas comprendre. Je suis dans la République du Congo. Je peux dire qu'il y a un bonne santé à la République du Congo. Merci beaucoup, Ndeko, journaliste. Merci, Péna. L'indignation est congolais. Congolais de partout et pas bas colonne d'Abisso, mingi pendant tata moko de colo, na pespembote na maman ma gouvernement, na yemoko premier ministre, madame premier ministre Judith Suminwa, pe na ba congolais de partout, mingi pe na ba wazalendo, pe ba onus wazali, na patriotisme congolais na mitema na bango. République démocratique du Congo, ezako tambola, dengue ba institution ezali, ba institution légalement établie, ezali ko tambola. Selon Mibeko Yamboka et à part Kimia Oyo bazo botola biso yango bazo ko déranger biso na est ya République démocratique du Congo et pas il y a régime il y a Paul Kagame Oyo depuis plus de 30 ans azo mettre en mal sécurité il y a ba congolais la République démocratique du Congo. Mais comment vous pouvez dire ça mon Mboka? Si les Congolais ndé bazo ko menacer ba ndeko ba congolais, c'est pas le Rwanda. Non, ata soko zui ba Congolais naïf oyo bazali kozwa misolo tope mwa lipa to kwanga pa ya ba ndeko mususu mekomona ke na nzela na bango nyonso tu mutu nango ezali Paul Kagame oyo président ya Rwanda ya régime oyo ya Rwanda ezali ko sala ke epesaka mobulu na République démocratique du Congo mpena na parti S nango et pa yapi bazali ko il botola ko iba ko de façon frauduleuse ba minerai ya mboka na biso oyo nzambe a pesa ki to se retrouver sika minerai ezali et na makelele te na ko iba te na ko bunda pete donc ba rwandais na baninga na bango misusu na kati ya union européenne bazali ko sala ke ba bundisa ka biso ba wela ka bozwi oyo ezali na mabeli na biso voilà pourquoi il passe pas il réussit à passer par un certain nombre de Congolais naïfs, oyo bandi marako zwali pa nesika ya ko trahi ndeko na bango et donc en corruption bazali ko zala corrompu pour ba détruire ba propre frères et sœurs na bango moko na mabili na bango. C'est vrai? Oui, nazole banayo makambo ezali documenté par le service officiel des Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies que le Rwanda agresse la République démocratique du Congo pour des fins économiques et que sais-je encore. Et aussi, je suis sûr qu'on a pu communiquer à Baye 1-23, bah ça peut s'imposer, au cas où ce qui dit retoucher la Constitution, et ils vont directement déclarer comme bah, territoire ce comme bah, pays indépendant. Non, mais, et ça, le quoi, Moutou, à chaque moment, on a vu l'eau, parce que ce qui, au Mekiango, on a vu l'eau, on a vu l'eau, na otia mungu na biloko. Biloko o mba tumusu bazo lamba yo lambite, yo yo kotia mungu na kati ya biloko lobike soba ba, migi na otia susu mungu na otia mungu na biloko. Bosibo otia gideja mungu na biloko. Biloko yo zo lamba te. Omoni? Ata ko constitution ngo ya bango, constitution yo bango basalagi o bazo wele la, basalagi yango. Paske ya vredi constitution to zan ango, bango nde ba ebisi biso ke bango nde basalagi yango. Bango banani? Ba Rwande. Ba Rwandais. Mais oui, tant que tata mokonza lobi na Kisangani, alobayi ke constitution ya komami na étranger et puis na ba étranger. Atangaki ba tuté. Zela libanga ezalaki babwaki na molili batu bagangi ai. Ozomo c'est que zinde bango. Ceux qui se sont énervés en premier, ce sont le Rwandais et les naïfs qui dépendent de l'action rwandaise. Batoyo tant que tata Tshisekedi d'alobi que constitution na biso ezalaki et komamaki na étranger pe na ba étranger atangaki pays te atangaki batu moko te na lobayi que ba opposant ya nzala bazoki na kozwa subside de pa ya batu moko boye po ba sala kamabe na kati ya République démocratique du Congo. Mais biso pe to tant que toyoki bongo to sutuka boye toyoki ba Rwandais ba bandi ko sala ba réaction makasi comme que non biso toza na logique ya accord à l'Emera autosinaki na président Laurent Désiré Kabila représentant ya moko ya AFDEL
oyo alobai que ceux qui dosu pouvoir tropé sabino boe tropé sabino ba mabélé 300 km à partir à profondeur donc à partir de la frontière ya Rwanda Uganda na Burundi 300 km ceux qui dosu pouvoir et puis tropé sa bango ba sengai que tropé sa bango prime moko spécial na prime spécial il faut entendre que ba kozo ba poste clé na kati ya régime. C'est comme ça bon monaki James Kabarebe être nommé comme chef d'état-major général, les Bizi Makara, qui sont des Rwandais, des Burundais, des Rwandais, des Ougandais, mais parce qu'ils ont posé le quoi, ministère des Affaires étrangères, ministère clé, il y a République démocratique du Congo. Mais natina nini pays moko boelobi que tolinito modifier, toto changer constitution nabiso, bino bato pays mususu bo réagir négativement. Monte que tant que yoki bango kuna Tanga, donc on comprend que c'est même là, Basango va continuer à gagner. On comprend que ce sont des gens manipulés par les Rwandais avec leur. Mais on a beaucoup de problèmes. Quand vous continuez ça, mais pas étranger. Mais c'est toujours à Tana Gabon, on va chercher à modifier la constitution, on va étranger, on va participer. Attention, j'ai vu cet élément-là. Attention, faire attention. Être consulté, comme Mbata l'a été, d'abord, ils allaient participer à la rédaction. Il faut que les Congolais fassent très attention à cette histoire. Le professeur Mbata, les Congolais, le professeur Mbata, a été invité comme consultant. Et lors de la rédaction, il n'a pas parlé. On ne peut pas, dans les annales de Gabon, vous ne pouvez pas voir les noms du professeur Mbata comme rédacteur. Mais il a été comme consultant. Et comme nous aussi, nous, la plupart des scientifiques, avant de produire un élément scientifique, un document scientifique, parce qu'il a consulté, États-Unis, le monde entier, au sillonné, pour voir des grands, comment ils pensent, comment ils réfléchissent, comment les dispositions sont actuellement, comme ça, la Néhénie. Parce que si on a une idée, c'est le rouleur, le bâté, que ce sont ceux qui ont écrit ou élaboré la Constitution. La Constitution du Gabon a été écrite et mise en place par les Gabonais. Mais professeur Mbata y a été appelé comme consultant. Et il n'y a pas de confusion à faire là-dessus. Mais ce qui parle de l'histoire, L'étranger est né, c'est pas non, mais c'est-à-dire que ceux qui ont écrit la Constitution étaient des étrangers. À part les trois Congolais, hein, parce que il y a qui même constitution. Non, nous n'avons pas dit que c'est une meilleure constitution. Étienne Tshisekedi dit paix à son âme. En 2005 déjà, lors de l'élaboration, des tractations liant l'élaboration de cette constitution, ça dénonçera déjà que les alliés constitution au Yoban en mot qu'a réfléchi n'endigne n'a bangoté. Vous voyez bien que c'est avec beaucoup de, avec en toute honte bu, et beaucoup de regrets, j'allais dire, que FCC va se réunir, va tout pena, va tirer cravate, va fest, va y en ami tout cana bango, va FCC va famille na bango qui est ok musala, va commis na bureau, va salir réunion, pour balobake, ils aient constitution et aban ambo. Va bien que non, la San City, ils a pour changer constitution, ils aient qu'au bafoué, va travaux, topé sacrifice, ça imagine la San City. Quel était le mobile de se retrouver en Afrique du Sud, dans la ville où on a Sand City? Parce que la sonité, tout le monde. Donc, il faut se justifier, les locaux, surtout, ce sont des étrangers qui les avaient pris et installés dans la Sand City. Non, il y a bien autre. Quand vous présentez ce que vous avez dit, vous avez venu sur la salle. Même quand ils se sont retirés, les Occidentaux ont pesé de leur poids pour retirer
à bureau fermé, Kabila et Jean-Pierre Bemba pour obtenir cet accord de cascade. C'est ça dans la logique, cette logique constitutionnelle qui est produite. Je veux vous citer. Il y a des professeurs comme le professeur Mampouya, beaucoup de professeurs constitutionnalistes, Oyo, ils ont expliqué difficultés avec qui pour voir article 3, confirmer article 3 de la Constitution, article 2 de la Constitution. Vous voyez dans notre Constitution, est-ce que ce temps-là, la Constitution, la superficie à la République démocratique du Congo? Au moins, il y a un coup dans la carte. Là, on présente la situation du Congo. Au moins, la Constitution n'a qu'à. Il y a une loi organique. Parce qu'ils avaient, ce qui avait inclus ou avait imposé les dispositions de cette Constitution, il y a une autre tika. Il y a 2013. Loi est 2013. Je m'abuse. 2011 ou 31 mars 2013. C'était ça, loi Wana, et il faut modifier la constitution, la superficie à la République démocratique du Congo. Mais, Naïbi Saka toujours, il faut tout vérifier, madame. Apparemment, dans quatre exercices, on a ça, là, ce qu'on a superficie à, au bêtis superficie à, la province Nabiso, la limite Nabiso. Vous verrez que 505 km² et échappant à calcul ouan. Mais je vous dis, je suis allé à plusieurs reprises dans le centre institut supérieur, institut géographique pour faire des enquêtes. Parce que c'est pas il pas j'ai même, premier jour, après, il y a $20. Il y a le lobby de $20, il y a un bon, on topé ça. Il y a un PAJ, la commission PAJ dans l'Assemblée nationale, à cette époque-là. C'est comme si. C'est-à-dire que avant d'indimiser, il faut faire ça mobile. Parce que dans l'Assemblée nationale, il y a des textes, des manuscrits, il y a des travaux préalables où il y a qui peut aboutir à l'adoption de la loi. Mais tout le temps, c'était quoi les mobiles? Personne ne dispose de la portée à Batouté. Alors que l'information au regard et à disposition de l'article 24 de la Constitution permet d'accéder à l'information, base d'information pour tout yéba. Mais quand j'ai fait les calculs par rapport à tableau, carte, RDC, Sakabiso, la limite, vous essayez de calculer, vous voyez que les chiffres ne donnent pas. Même ceux qui exactement ont copié ça 2 345 410 km², mais quand même approximativement, ça peut vous donner des chiffres. Oyo, ils ont faire raisonner bien que c'est à peu près ça. Donc la constitution, notre constitution, a été rédigée par des étrangers. Il y a seulement le professeur Jean-Luc Sambo, Oyazali, conseiller spécial en matière de sécurité, chef de l'État, que je salue. Nabi Bouanenaye, parce que j'ai eu à être enseigné par lui dans une session de séminaire. Et professeur, professeur Mbata, ils ont placé quelque chose. Et puis le professeur Banyaku, Bangouana, ce sont des Congolais que je peux voir au Bazagi Nakate Masolo. Yibsangai Banani, parce que les FCC, en faisant leur rapport, tangi rapport na Bango. Les autres, c'était qui? C'était des étrangers. Même pour avoir l'article 3 de la Constitution, il y a qui une position, il y a Batumoko. Mais oui, je veux dire oui. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un ou deux exemples. Savez-vous que les Rwandais, quand on va déclarer AO, donc, constitution wana ezali esprit na biso ya accord ya les mères rendez to kotsa na kati wana, ils doivent respecter cet accord. Tant au monde accord ya les mères ezali ki neti moi neti te baboya yango parce que nous ezali ko boya alinara a se rebiffé to impliquer quand to kotsa na kati constitution. Qui de ces Congolais à part ce qui dit accord le ba non
na imposition ya Rwanda koko tsa ba disposition ya corps élémera accord à l'émera article 4 na article 5 et ko scandaliser ba congolais ceux qui ba tangi yango tanga article 4 na 5 pe oyo sa ba congolais oyo tandaka micro o retourner on peut pas ya ba FCC wana qui ceux qui sala qui tu sais que dinda sina qui accord ya l'émera oyo binze moni banga ba yemba lelo est-ce que yo lingaki lingaka batu balingaki ba melama ilelo balobi que article 4 na 5 na bangonde zo ezali incorporé na carte ya 215 na 217 na biso ya constitution où il faut céder une partie de notre souveraineté pour na esengo ya ba to cohésion na niveau africain na l'unité africaine pour na nini ba pays ezébélé plus de 50 na niveau Afrique pour ni ba koko zo bango te ba zo ba ité na bango ba céder souveraineté na bango te kaka Congo na a céder souveraineté une partie ya souveraineté na ye pour esépeli sa cohésion au niveau africain. Ça, les Congolais ne peuvent pas accepter. Et les Congolais sont pas venus, ils ne peuvent pas raisonner que bon, tout ça est là, ils ne peuvent pas partir dans l'abus de la souveraineté, ils ne peuvent pas être étrangers pour se payer en Afrique, par exemple. Jamais. Or, ils ne peuvent pas être Ougandais, ils ne peuvent pas être Mabélé. Les Congolais peuvent se réjouir aujourd'hui que non, la constitution de l'abus, ils ont touché. Mais demain, vous ne savez pas le plan du Rwandais, vous ne savez pas le plan des Occidentaux, où vous avez utilisé Rwanda pour minimiser Bomoto Nabino, pour minimiser souveraineté Nabino, Aboto Rabino. La constitution Oyo est bloquée, système est belé, il y a un tombe en maille. C'est que tu gères bien le pays, hein? Depuis, le président Mobutu était un dictateur, il a été basculé, chassé du pouvoir par l'AFDEL qui a été aidé par Paul Kagame, le puissant Paul Kagame. Joseph Kabila est passé après, est arrivé au pouvoir sous la bénédiction de Paul Kagame. Et il n'a jamais eu le temps de dire non à Paul Kagame et à n'importe quelle procédure, initiative, tout projet macabre au Paul Kagame. Mais tu sais qu'il y arrive, il parvient à citer les noms de Paul Kagame dans des réunions, dans des rencontres et officielles au niveau mondial. Merci et beaucoup, il président. Lui a je dit non aura, en face. Et ça, c'est. Je serai toujours disponible, Dieu me prétend la vie. Merci beaucoup. Deux minutes, plein de merci beaucoup. Je crois que le secrétaire général honoraire Augustin Kabuya, faut l'appeler comme ça, quand bien même qu'il gère les affaires courantes, il a commis une grosse erreur, une très grosse erreur. Je le prenais pour un homme d'État, pour un homme de haute facture, mais comme il est permis à n'importe quel être humain de commettre des erreurs, je trouve que Kabuya est tombé certainement dans le piège de ses conseillers, comme les gens qui se sont portés garants qu'aucune n'a déposé plainte contre Déo Bizibou, son secrétaire général. Si vraiment c'est vrai, parce que dans les réseaux sociaux on peut fabriquer n'importe quel document, si c'est vrai que cette plainte est vraie, je dis que Kabuya a commis une grosse erreur. Vous voyez, ce que j'ai vu ça dans les réseaux sociaux, celui qui a porté plainte est fédéral honoraire, il y a Katanga, il y a Lubumbashi. Fédéral honoraire, il y a Lubumbashi. Bon, même s'il est actuellement en service, mais il était aussi, il a mis aussi que Azalaka membre, il y a fédération, il y a États-Unis, tout ça là, section Washington, tout ça là. Mais en qualité de qui il va déposer plainte contre le secrétaire général adjoint Oyoye Abosani Nakati a plainte. Parce qu'il les présente comme un troubadour, un homme qui appelle les troubles au sein de l'UDPS. Mais il ne les présente pas comme secrétaire adjoint en charge de questions politiques, juridiques. Donc ça, c'est une bêtise. Et moi, je pense que
Bon, à Monique Baza, bah, avocat, on a évité ce qui est avocat, et nini nini. Quand vous assignez quelqu'un en justice, il faut bien préciser, présenter le monsieur comme il se doit. Mais lui, il a quelle compétence? Quel est cet article qui lui confère le droit de saisir la justice contre ce monsieur? Même s'il a usurpé le pouvoir. Il a la qualité, il a la compétence. Vous voyez, donc ça, c'est, je ne sais pas comment les gens réfléchissent. Quand ils dorment, ils réfléchissent à Bigo, le gothique à plein. Et Kabuya le laisse faire parce qu'il sait que, bon, Wana va tomber. Les chefs de l'État recevant l'équipe de Déobis. Je salue en passant. Chef de l'État, Kati Likamota Lobi, bon, commission Moko est mise en place, Bokende, Bosala, Bongoboye Langa va donner. Ils n'ont pas encore déposé. D'ailleurs, il n'y a pas deux ou trois jours, que la commission a été rejetée par le camp de Obisi pour pouvoir monter par acquaintance côté Kabuya, Makasi. Donc, il faut attendre que la commission termine son travail et puis, tout le chef de l'État a tranché. Vous voyez qu'il y a qui s'en a ni kouna. Attends, photo mon côté, fusil mon côté, Obisi en Kabuya. La base n'en peut plus. Même la cellule proche ici, Kabuya, avant de limiter, la lingité. Si vous avez dit, même à Lubumbashi, ils ont fait le message. Et pas hier, Moutoua a déposé plainte à Zara. Si vous avez dit, il est fédéral de là-bas, mais il vit ici à Kinshasa. Des gens, vraiment, c'est comme ça qu'on gère les partis avec beaucoup. Bon, merci. On n'en peut plus. Merci beaucoup.